Quelque chose nous fait obstacle, gardienne. Oh, je veux, je une veux. Anomalie. J'ai trop envie de m'acheter la touche de souris, la touche de clavier. Tu vas, et résonne avec lui. Quoi qu'elle soit, elle éloigne la connexion du voyageur. Elle s'approprie la place du voile dans leur enchevêtrement. Et je suis là. Tel un reflet dans le miroir. J'ai isolé le signal de l'anomalie. Il est familier et émane directement du jardin noir. Ce doit être l'ultime effort des sols reclus pour arrêter notre progression. Elle est où la cinématique ? Voilà pourquoi je vous ai appelé. C'est une mission, c'est une mission. Ce problème doit être résolu au plus vite. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas suivre le boost de drop des armes. Il restera coincé. De bravo. Et je ne pourrai rien faire pour retenir la colère de Mara si cela se produisait. Moi aussi je l'ai, les gars, ça passe. Pénétrez dans le jardin et mettez fin à l'interférence des Vex. Faites des vidéos YouTube et vous pourrez vous connecter à 19h. Et looter de l'exotique et les armes spéciales aussi. C'est un pack, en fait. C'est un bundle. Ok, c'est tout ce qu'il a dit. Étape 1 sur 2, il n'y a que 2 étapes. Mission terminée. Quelqu'un veut faire la mission avec moi ou on fait solo? J'arrive. On valide le truc du attends, je suis peut-être pas en ligne. J'aime pas où il est, Loulou. Il est où le Loulou projecteur? Ah, c'est le là. Premier là. Oh, c'est mieux, ouais. C'est dans la salle avant Riven. Ok. Ouais, et après faut aller voir Riven, je pense, non? Elles sont sous la mission. Ça rend ouf le contenu là. C'était pas la mission au-dessus sur la carte entre les... Ah ouais, c'est celle-là. Ok. J'ai en orbite ceux qui veulent faire avec moi. Bah j'arrive gros. Salut Titlin, c'est quoi le programme? On fait la mission du reset, on regarde la cinématique et après on ouvre ça. Un colis que Bungie nous a envoyé et qu'on a le droit d'ouvrir seulement après la cinématique de ce soir. Mission plus près du cœur, c'est ça la mission? Ouais. Ouais. La boutique en 2-2. Ok. Ok. Oh, si tu veux mis le dos, on peut la faire tous les deux si tu veux, ou à 3 avec. Ouais, j'avoue, on se split en 3 les gars, en 2. Tiens, la meuf qui s'est comptée. Y'a qui est avec nous là? Bah, Lynn. Comme vous voulez. Y'a Scum. Y'a Lynn et Scum. Allons, lance, c'est parti. On est obligé de la faire avant de lancer ça. Hein. Ah bah non, c'est la mission. C'est ça on l'a fait, moi j'ai ouvrir le colis, j'ai envie d'ouvrir le colis hein. Bah non, t'ouvres pas. T'as été par le Simus, comme? Ouais, ouais. Il est acquis, c'était un fin. Je sais pas si c'était un enfant ou un chat. Non, c'est un enfant. Bébé, bien, c'est bon pour toi, ce qu'il est crispy? Moi, c'est bon, ouais. Ah bah, vas-y. On est complet. Et apparemment, une pleure. Le Panthéon s'arrête mardi 28 apparemment les gars, on a une semaine là. Wow. Moi j'ai une vraie question, oh, quand même. Tu le prononces comment? Le signal égaré n'est plus très loin. Ok. Restez concentrés. Okay, on est dans la mission exotique là pour l'instant. J'ai pas regardé les modificateurs, c'est revenu en abyssal. Ah stylé. Dans nos actions, on ne doit pas le prendre à la légère. Avancer, je pense. C'est par où? Bah, par là. Hein. Oh, par là, là où je vais. Là où, ouais. Stylé. Voilà. Je suis bloqué derrière. J'ai failli tomber dans le vide. Il y a des bumpers au mur. Hein. Ma phobie. T'as tellement de phobie, je trouve. Là, j'avoue. Par là, dans le petit trou, les gars. Tout ce qui est niveau 6. Ah, Faut avancer là, vous êtes sûr? Faut clean, hein, je crois. Hop, bien sûr. Non, j'ai l'impression que ça respawn tout le temps, moi.
y a pas de flex donc je sais pas. Mais ça y est, une boîte comme ça. Genre attends. Un truc comme ça là. C'est sûr qu'il faut avancer là. Ah non, on a avancé, après je sais pas où vous êtes mais. Y'a quoi vous êtes là, Linescu? En bas de chez moi, gros. Hein? Regarde comment il est passé, vous êtes trop snobé, mais. Ouais, mais attends, c'est une blague? Non, mais. Oh, il est trop dans son univers tout seul là. Vous êtes avec moi là? Non, bah, oui, hein. bah non. On t'attendait. Mais ça va, j'ai vu, oh, tranquille. Là, on fait une partie de pétanque là. Y'a quelqu'un qui fait de l'opéra en mode chez moi, qui fait de l'opéra là-dedans. Qui chante genre? Ouais. Je suis en train de péter mon crâne, genre c'est le moment là. Ferme ta fenêtre gros. L'amour est un. Non, moi je pense qu'elle devrait faire autre chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire en fait dans cette mission? Ben avancer, suivre le marqueur, tuer les meubles. Ah, portail détruit. Ah là-bas, venez, y'a un. C'est là. On peut casser les. Portail détruit, faut casser des portails. Y'en a derrière toi aussi. Comment, genre, ah, tu tires dessus, ça pète, ok. Moi je croyais qu'il fallait. On m'a dit détruire, je vais tirer. Hein. Oh, ah bah ouais, hein. Tirer, on tire. Hein. Okay. Je pense qu'il y en a un par là-bas. Il est là, viens, non, je vais rentrer. 3. Et il y en a un autre là-bas. T'en as un sur ou pas là en... Ok. Ah, c'est bizarre, il y a un qui a démarré. Bizarre, mais là, monter. Je sais pas où sont les. Éliminer les Vex. Il n'y en a plus, hein. C'est par là, les copains, c'est par là. On est rien. C'est joli. Mince. Faut monter. Oh là là! J'attends parce que je sais pas ce qu'il y a derrière là mais... Descendez ou montez? On est monté. Non bah moi je t'attends mais... Là c'est le début de la mission exotique en fait. On l'a fait à l'envers là. Il y a un grand portail allez-y, au fond. Allez-y, m'attendez pas. Hein. Je pense qu'on va rentrer dans le portail. Attends, je suis derrière, allez-y. C'est bon, je suis là. On peut y aller. Ah ouais, ça sort la chaise de camping et tout. Ah oui hein. Je pense que... C'est canon quand même hein, ici, j'aime bien. Ouais. Ah c'est fleuri hein. On y va tous ensemble. Main dans la main. Allez. Allez ouais. Venez. Carrefour, on est chez Carrefour. Avec Carrefour, je positive. Quoi ? Bonsoir. C'est qui lui ? C'est l'esprit refait. Voilà, j'ai retourné au combat là. Il est fait, il est refait, il est défait. Ah, j'ai plus de mine vraiment là. Non, mais je sais où on est là. Ouais. Ah, attends, regarde. Oh. Ok, j'ai raté. Ok, vas-y hein. Faut péter un. Il y a un portail qui s'est ouvert derrière. Il y a une. Plus les sauts là. Il y en avait un mur en dessous aussi, hein. Un étage en dessous. Ouais, moi j'avance par là. C'est vrai qu'il y avait un étage en dessous. Ouais. On dirait le truc du Divinity, non? L'entrée ah ouais. Du raid. Ça a l'air sympa. Ouais, ouais on était en dessous, on était en dessous du raid, regarde. C'est l'entrée du raid. Oh là, barrière. Ouais, hein. Ah oui, regardez. Là, c'est l'entrée du raid. C'est bien, tu l'as jamais fait, c'est le jardin du salut là. Oula, attendez. Ok, bah je suis ravi de t'en rencontrer. Ah, c'est le cœur du jardin noir. Oh. Impossible. Le cœur noir. Attends, ouais. Ah, c'était sûr. Détruisez cette abomination. Oh, allez, c'est bon, qu'est-ce qu'il a là? Par le minerai. Mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons là, Jamy?
vais aller faire mes parce que je vais péter les ponts. Hein. Bah attends, on va vraiment se taper une phase d'entrée de raid là? Mais non. Bah ça y ressemble là. Hein. Non, c'était pas comme ça dans le raid. Bah là, si ça pop un minot, ça y ressemble beaucoup. Hein. Oui, mais c'est pas ça qui va se passer. Ouais, ça me fait penser à la mission de D1 bah, là, regarde, non? Bah regarde bien. Oh, j'ai plus de raid. Ça fait penser à la mission de D1, c'est la même. Ouais. Il y a 3 statues là. Oui. Hop là, publicité mensongère. Tiens, regarde ce qu'il y a dans ton dos. Et où là? Oh waouh. C'est un bordel un peu là, non? Oh, wow. Il m'a spawn dessus. L'air pile là-haut, elle se voit l'air. Hein. Tiens, lui là, bah. Oh, super, salut. J'ai ramené l'air pile d'Athéon là. Je le connais. Ouais. Oula. C'est quoi là? Eh ben. Ça va être la fin de la rade, je pense, hein, faites gaffe. Je vais me remettre en phoenix. Y'a un boss derrière, il fait TP derrière nous. Oh, je suis tendu. C'est passé quoi là? C'était bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ce que... C'est qu'il peut t'écraser avec son talon juste. Il est mort. Voilà. Oula. J'ai cru que j'avais bugué gros. Regardez le cœur comment il s'énerve là. Ça rappelle grave bien. Ouh le chat, je sais pas si vous avez vu ça, mais ça rend ouf! S'il y a une cinématique, je me mute, je vous dis tout de suite. Attends, ça marche? Non, ok, je me muterai manuellement. Ok. Ce cœur noir était une peau piratée du voile. Bah, vas-y, je vais se lancer. Mais puissante. Comme une simulation de leur effort précédent. Les seuls reclus ont dû l'utiliser pour lier leur collectif avec les ténèbres. Ils ont diffusé cette connexion okay. Et harmonisé sa fréquence avec celle du voile afin de prendre sa place et de nous écarter. Ils n'auraient pas pu réussir cet exploit sans être guidés par le témoin. Et maintenant, vous avez fait en sorte qu'il ne nous dérange plus. Voilà. Nouvelle étape. Oh, le projecteur, j'en vois. Vas-y. Il a dépassé Osiris, Xur pardon, n'importe quoi, Xur, c'est du... il part tous les mardis au reset. Sacré écologie et Benji. Ouais Xur il est parti. Ah ils aiment bien la verdure. Ah cinématique. Plus besoin de t'appeler prince maintenant, pas vrai? Incroyable les mecs.
Oh la dinguerie! Attendez, je me dis, mais il faut dire leur parler. Oh la dinguerie! Oh, c'est terrible. Ouais. Oh, ils sont dans le voyageur là! Incroyable! Oh, c'est incroyable! Terrible. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton colis? Ouais, je vais ouvrir à toi, d'abord on va aller au Simu. Mais non! Ah, oh, ça rend ouf! Elle sait qu'elle m'a donné des frissons la cinématique là! Ah, pour de vrai! Oh la dingue! Gros, ouvre ton colis. Attendez, ouais, j'ai le colis à ouvrir. Là. Attends, on va juste jouer au Simu, non? Ah, je sais pas, ils t'ont dit après la ouais, cinématique. Ouais, mais juste, juste que j'aille voir la fin de la quête là, le truc de la quête. Ça se trouve, il y a encore un autre truc. Tu fais trop durer le plaisir, ça me met le seum. Mais non, mais il y a peut-être Osiris qui va. Attends, attends, vas-y, je me dépêche. Je vais juste voir. Le colis, le colis. Mais attends, j'écoute juste Osiris. Deux secondes, deux secondes. Le colis. Pas intéressant, je le sens. Vous avez fait le ménage. Et les dés sont jetés. Cette forme finale à laquelle aspire le témoin. Asha nous a raconté comment le témoin a dévoré toute son espèce pour se reformer, mais sans pour autant assouvir sa faim. Son salut est une prison. Les créatures calcifiées dans les coques sombres des pyramides en sont la preuve. Vivante et morte à la fois. Quelle forme le témoin réserve-t-il à l'univers? Et qu'arrivera-t-il à ses habitants? Changer ce qui est ne garantit pas la concrétisation exacte de ce que l'on imaginait, car le chaos ne peut pas être contenu. Il faut que ça marche. J'ai passé un an à étudier, à compter les jours. J'ai ressenti le poids du temps. Parle beaucoup quand même. Mais je l'ai bien utilisé. Ah, t'écoutes tout ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Nous empêcherons la chute. Nous la repousserons, une fois pour toutes. Car le chaos ne peut pas être contenu. Nous y sommes presque, gardienne. Riven a fait sa part. La reine Mara a ressenti la traversée du corbeau. Il est arrivé. J'ai lié la résonance du voile dans leur connexion. À l'instar du témoin avec votre spectre. Mara ouvrira bientôt la voie. Et nous suivrons le corbeau. Où qu'il se trouve. Tenez-vous prête. L'appel aux armes ne saurait tarder. Oh là là, je sens qu'il va y avoir des trucs de fou avec quand on va recroiser Cade et tout là. Oh, on a un vaisseau. Incroyable. Et un éclat ascendant, tiens, parfait. Attends, le vaisseau, j'ai peut-être plus de place. Ah si, pile poil. Il est un peu énervant hein, cet homme. On va les copains, c'est parti. Je vais ouvrir le colis du coup, le colis de chez Bungie. Je vais couper le son du jeu. Il est stylé le vaisseau par contre. Ouais, j'aime bien. Le vaisseau, ouais. Donc je vais l'ouvrir, j'ai mis la cam de manière à ce que. Attendez, parce que le clavier il fait de la lumière et des fois ça va faire de la merde. Voilà, on retire la souris. Voilà, je l'ouvre comme si c'était vous qui l'ouvrez. Juste, je vais faire attention de pas l'abîmer parce que j'aime bien le. Je suis trop content. J'ouvre le colis, les gars, c'est parti. Attends, j'ai pas envie de l'abîmer. Oh là, attends, il y a un truc d'écrit là. Ah, il a déjà pris un POC dans le transport là, apparemment. Ah, c'est gravé The Final Shape dessus. Je sais pas si oui, attends. Non, on voit pas sur le stream. Attends, je tire parce que j'ai pas envie de l'abîmer. En fait, faut que tu le penches vers la cam. Ouais. Moi, je suis à deux doigts de te muter sur Discord et d'aller écouter le stream, gros. Je sais pas si vous voyez bien. Destiny 2 The Final Shape. Ouvre le colis. Alors, attendez. Ah non, c'est bon, il se tire par-dessus. Ok, on a le numéro 12 sur. Alors, vous verrez. Comme ça, on a le numéro 12 sur 80, il est écrit là. Oh ok. Imagine, c'est ouf. Imagine, c'est un puzzle avec tout le monde. Bon, bah, tu dois faire un puzzle là. C'est dommage que le côté soit abîmé de ouf, je suis d'accord. Ouais. La boîte, elle est énervée, les gars. Ah, oh, waouh. En gros, elles disent que comme on approche des 10 ans de Bungie, voilà, du voyage, etc. Ils parlent du témoin de Kate 6 et du corbeau. Ils disent qu'ils veulent nous remercier
Voilà. Oh, j'ai lu, c'est écrit en anglais, c'est écrit en anglais, j'ai lu ce que c'est. Ah, c'est une dinguerie, les mecs. Ah, c'est une dinguerie, mais j'ai pas envie de vous dire ce que c'est. Parce que vas-y. Non, mais je vais le mettre, en fait, c'est un truc que je vais devoir mettre, c'est bon. Oh, la dinguerie, les mecs. Attends, mais c'est celle de qui je pense? Oh, la dingue. Oh, c'est une dinguerie, les mecs. Ok, je vous montre un petit peu, là, il y a un petit... Fais gaffe qu'il n'y ait pas un code sur les papiers, par contre. Il n'y a pas de code. On voit mal. Voilà, là il y a un petit petite affiche comme ça. I've got you back, Guardian. Making only. Là il y a une petite carte. Oh, c'est une dinguerie, légal colis. Et là les mecs. Alors attendez. Non, il y a quelques temps. Il y a quelques temps, je t'avais pas dit que le colis ça pouvait être un message que Cade t'envoie. Oh, la dinguerie, les mecs. Ok, là il y a des magnettes, je crois. Et là, alors attendez, comment je vais faire? Je vais enlever la boîte un petit peu. Les gars, c'est la cape de Kay, les mecs. Attendez. C'est la, cape de Kay. Alors attendez. Attendez. Faut que t'enlèves ton casque. J'ai enlevé mon casque, vous avez pu m'entendre. La cape, je suis désolé, elle est un peu moins bien celle-là. Oh waouh! C'est très très stylé. Hein. C'est très stylé. Elle est jolie. Alors attendez. J'ai fait un autre truc. Y'a pas la capuche. Faut que tu. Je pense que les deux magnettes là, c'est pour l'attacher devant. Attends, merde, j'avais muté le mauvais truc. Attends, si je fais ça, là, transformer, inverser. Y'a un mec, il a mis un tablier pour faire la cuisine dans le chat, quoi. Ah merde, je suis à l'envers. Non, par contre, je vous jure. Tu la mettes, hein. Je vous jure, c'est grave quali, mais attendez, il faut que je regarde comment on la met. Je vous remonte, en vrai. Je vous jure que En fait, les petites attaches là, faut que tu les passes des deux côtés de ton épaule, comme la cape de Cade, quoi. Ouais, mais. Dans le dos, et les deux trucs là que t'as dans chaque main, ils passent par-dessus tes épaules. Je vous jure, je vais faire un triple saut dans mon bureau après. T'as pas les couilles? Non. Ah. Est-ce que tu peux faire genre le truc? Et en gros, alors je vous montre, il y a une petite affiche comme ça, qui vous explique. Ah ouais, bah voilà, bah tu vois. Et en gros là, alors j'ai des magnettes, alors attends, je vais les mettre comment par contre? Il fait un truc bien. Ok. Il écoute pas quand on lui parle. Mais si. Ah, mais faut que je les mette sur mon t-shirt. C'est ça que tu m'as dit. Ok, faut que je les mette à travers mon t-shirt. Seigneur Dieu, un arca avec la cape de Cade. Attendez, j'arrive. Attendez. Tu vas te mettre tout nu? Le stream qui glisse. Yoda dans ta TL. Ma cape dans ta TL. Je vais faire un triple saut dans mon bureau, les mecs, bougez pas. Oh, les gros bras, bien bien. c'est hyper dur à. C'est vla aimanté, hein. What? Ok. D'accord, on pourrait être dans le Panthéon et tout, mais non, bah là on. Attendez. On s'habille, quoi. La vérité que quand ce sera GTA, vous avez pas intérêt de me dire que je mets 3 heures à faire mon perso. Non, mais je vais la mettre. Il a des vrais bras, regarde-moi ses bras, gros. Ah, c'est la muscu, hein. Ta couille. Ok, je dois mettre ça à travers mon truc. Et après, alors attends. Qu'est-ce que Kite 6, gros? Ouais, mais... Ouais, par-dessus, voilà. T'as pas mis le truc à l'envers? T'as mis le truc à l'envers, non? Mais non. Oui, t'as mis une des manches à l'envers. Oh là là. Quelle manche à l'envers? J'ai mis aucune manche. Non, c'est bon. Voilà, ouais, comme ça. Ah, c'est bon. Mais là, bien droite. Je suis un peu trop stock pour un chasseur, en fait. Ils auraient dû t'envoyer une chance de Zavala, gros. Allez, mais attends. J'espère que Zavala, il va mourir à la prochaine extension, les mecs, parce que là... Vraiment?
Ah les bâtards. Elle est courte hein, quand même, non? Ah ouais, un petit peu, avis, je voyais ça plus long, moi. Je pense qu'il faut que tu... Je pense que les attaches, non. Faut que tu les remontes, gros, là, un peu. Non. En fait, les deux trucs que t'as, les attaches, elles sont sur les épaules. Eh ouais, c'est ça, c'est trop, là, gros. T'as l'air d'un guignol. C'est des bretelles. Mais non, mais... Non, mais mets-les sur les épaules, gros. Ah, mais attends, c'est hyper dur à faire, gros. Ah, là. Mais oui, sur les épaules. C'est comme ça. En cuir. Voilà, ouais, voilà. Alors, putain, attends. C'est dur, hein. Putain. Oh, c'est une cape, hein, pas un bandana. C'est pas des bretelles. Elle nous a mis ça comme un plaid. Mais gros, c'est grave dur à mettre, vous vous rendez pas compte, quoi. Il est là en train de se tendiner. Je vais faire un triple saut, je vous jure que je le fais. Chérie, ce soir, il y a moyen que tu la mettes quand on va se coucher. Voilà, jamais. Active ton pied sur les roues. Bien aimant. Ça commence bien. Vous savez quoi, ce genre de truc, il faudrait limite se trouver un genre de buste pour l'exposer. Je sais pas si vous voyez, je sais pas comment on fait. Attendez, j'enlève le casque, je vous montre. Et saute aussi en même temps, fait des roulades et. Il part en couille. N'oubliez pas, j'ai une esquive. Mais ton super! Il est parti en couille! Nomad, je le pensais très fort, s'il te plaît. De quoi? Je le pensais très très fort ce que t'as marqué, Nomad, vraiment. Il a mis quoi? Mis quoi j'espère que c'est clippé, moi aussi. Hein. Katie! Ah, ça me termine! Eh par contre ouais, faut que je trouve un truc, un buste hein, pour le J'en matin. J'en ai les larmes aux yeux. Apporte. Y'a un mec qui l'a parlé pour la première fois pour dire Kaïd 9 gros. Bien vu Zultix, bien vu. Le Kaïd de Wish. Kaïd de Wish. Ça c'est sur le passereau non. Eh, il fait hyper chaud dans mon bureau, j'arrête, ça me donne trop chaud là. Non par contre, incroyable le truc les mecs hein. Non, il est incroyable. C'est beau pour la déco après. Ouais, c'est beau pour la déco. Et en fait, j'ai été spoil parce qu'il était écrit sur la boîte là. Des hawks. De cloques, pardon. Le poney, je pense que c'était le passereau. Il faut que je trouve un buste. Pour qu'il imite un poney. Bah, je fais un triple saut, gros. Mais Nomad, ma parole, la prochaine fois qu'on se voit, j'emmène la cape, tu me fais un triple saut. J'ai hâte de voir ça. Ah, moi aussi. Là, je vais être là. Ça aussi, il faudra le clipper. Hein. Ok, et des magnettes. Bah en vrai, incroyable les gars. Du coup... Paris Games Week 2024. Tu vas à la Paris Games Week avec la cape. Et la petite carte comme ça. Énervé, incroyable. Très très stylé. Très stylé j'avoue. Très stylé. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a Panthéon les gars maintenant. C'est sympa cet unboxing, pour une fois c'était un truc cool. Bon allez. Faut que j'enlève mes émotions. Ça doit être froid en plus en dessous. Bah, j'ai chaud là, je vais pas te mentir, j'ai. La cape en fait, elle est vraiment épaisse. Je vous jure que ça fait matière. En vrai, ouais, ça fait matière presque tablier de cuisine, tu vois, mais le tablier bien épais, c'est pas le tablier. Ça fait vraiment épais quoi. Vraiment, c'est stylé. Je vous remonte bien comme ça là. En vrai, la mine est de cendrée. En vrai, ils ont géré. Par contre, elle est belle. Hein. Ouais. On a reçu la cape de Kate, je reviens pas. Qu'est-ce qu'il est, vraiment. Je suis choc-barre là. Merci beaucoup, Bungie. Merci, Bungie, ouais.